28 octobre. Enfin, j'ai reçu une lettre de M. Jean. Elle est bien sèche, cette lettre. On dirait à la lire qu'il ne s'est jamais rien passé d'intime entre nous. Pas un mot d'amitié, pas une tendresse, pas un souvenir. Il ne m'y parle que de lui. S'il faut l'en croire, il paraît que Jean est devenu un personnage d'importance. Cela se voit, cela se sent à cet air protecteur et un peu méprisant que, dès le début de sa lettre, il prend avec moi. En somme, il ne m'écrit que pour m'épater. Je l'ai toujours connu vaniteux dame, il était si beau garçon. Mais jamais autant qu'aujourd'hui. Les hommes, ça ne sait pas supporter les succès ni la gloire. Jean est toujours premier valet de chambre chez madame la comtesse Fardin et madame la comtesse, peut-être la femme de France dont on parle le plus en ce moment. À son service de valet de chambre, Jean ajoute le rôle de manifestant politique et de conspirateur royaliste. Il manifeste avec Copé, le maître, qu'est-ce de beaurepaire il conspire avec le général Mercier, tout cela, pour renverser la République. L'autre soir, il a accompagné Copé à une réunion de la patrie française. Il se pavanait sur l'estrade, derrière le grand patriote, et toute la soirée, il a tenu son par-dessus. Du reste, il peut dire qu'il a tenu tous les par-dessus de tous les grands patriotes de ce temps. Ça comptera, dans sa vie. Un autre soir, à la sortie d'une réunion de où la comtesse l'avait envoyé, afin de « casser des gueules de cosmopolite », il a été emmené au poste, pour avoir conspué les sans patries, et crié à pleine gorge « aux juifs Vive le roi Vive l'armée !» Madame la comtesse a menacé le gouvernement de le faire interpeller, et Monsieur Jean a été aussitôt relâché. Il a même été augmenté par sa maîtresse, de vingt francs par mois, pour ce haut fait d'armes. Monsieur Arthur Meyer a mis son nom dans le Gaulois. Son nom figure aussi, en regard d'une somme de cent francs, dans la Libre Parole, parmi les listes d'une souscription pour le colonel Henri. C'est copé qu'il a inscrit d'office. Copé encore qu'il a nommé membre d'honneur de la patrie française, une ligue épatante. Tous les domestiques des grandes maisons en sont. Il y a aussi des comtes, des marquis et des ducs. En venant déjeuner hier, le général Mercier a dit à Jean. Eh bien, mon brave Jean, mon brave Jean. Jules Guérin, dans l'Anti-Juif, a écrit, sous ce titre, encore une victime des Youpins, ceci, notre vaillant camarade antisémite, Monsieur Jean, etc. Enfin, M. Forain, qui ne quitte plus la maison, a fait poser Jean pour un dessin, qui doit symboliser l'âme de la patrie. M. Forain trouve que Jean a la gueule de ça. C'est étonnant ce qu'il reçoit en ce moment d'accolades illustres, de sérieux pourboires, de distinctions honorifiques, extrêmement flatteuses. Et si, comme tout le fait croire, le général Mercier se décide à faire citer Jean, dans le futur procès pour un faux témoignage, que l'état-major réglera ces jours-ci, rien ne manquerait plus à sa gloire. Le faux témoignage est ce qu'il y a de plus chic, de mieux porté, cette année, dans la haute société. Être choisi comme faux témoin, cela équivaut, plus d'une gloire certaine et rapide, à gagner le gros lot de la loterie. Monsieur Jean s'aperçoit bien qu'il fait de plus en plus sensation dans le quartier des Champs-Élysées. Quand, le soir, au café de la rue François Ier, il va jouer à la poule au gibier, ou qu'il mène sur les trottoirs pisser les chiens de Madame la comtesse, il est l'objet de la curiosité et du respect universel, les chiens aussi, du reste. C'est pourquoi, en vue d'une célébrité qui ne peut manquer de s'étendre du quartier sur Paris, et de Paris sur la France, il s'est abonné à l'argus de la presse, tout comme madame la comtesse. Il m'enverra ce qu'on écrira sur lui, de mieux taper. C'est tout ce qu'il peut faire pour moi, car je dois comprendre qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ma situation. Il verra, plus tard, quand nous serons au pouvoir, m'écrit-il, négligemment. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute, je n'ai jamais eu d'esprit de conduite, je n'ai jamais eu de suite dans les idées, j'ai gaspillé les meilleures places, sans aucun profit. Si je n'avais pas fait la mauvaise tête, moi aussi, peut-être serais-je au mieux avec le général Mercier, Copé, déroulède, et peut-être bien que je ne sois qu'une femme verrais-je étinceler mon nom dans les colonnes du Gaulois, qui est si encourageant pour tous les genres de domesticité. Etc., etc. J'ai presque pleuré, à la lecture de cette lettre. Car j'ai senti que Monsieur Jean est tout à fait détaché de moi, et qu'il ne me faut plus compter sur lui, sur lui et sur personne. Il ne me dit pas un mot de celle qui m'a remplacée. Ah Je la vois d'ici, je les vois d'ici, tous les deux, dans la chambre que je connais si bien, s'embrassant, se caressant, et courant, ensemble, comme nous faisions si gentiment, les bals publics et les théâtres. Je le vois, lui, en par-dessus mastique, au retour des courses, ayant perdu son argent, et disant à l'autre, comme il me l'a dit, tant de fois, à moi-même, prête-moi tes petits bijoux, et ta montre, pour que je les mette au clou. À moins que sa nouvelle condition de manifestant politique et de conspirateur royaliste ne lui ait donné des ambitions nouvelles, et qu'il ait quitté les amours de l'office, pour les amours du salon Il en reviendra. Est-ce vraiment de ma faute, ce qui m'arrive Peut-être. Et pourtant, il me semble qu'une fatalité, dont je n'ai jamais été la maîtresse, a pesé sur toute mon existence, et qu'elle a voulu que je ne demeurasse jamais, plus de six mois, dans la même place. Quand on ne me renvoyait pas, c'est moi qui partais, à bout de dégoût. C'est drôle et c'est triste, j'ai toujours eu la hâte d'être, ailleurs, une folie d'espérance dans, c'est chimérique ailleurs, que je parais de la poésie vaine, du mirage illusoire des lointains, surtout depuis mon séjour à Oulgate, auprès du pauvre Monsieur Georges. De ce séjour, il m'est resté je ne sais quelle inquiétude, je ne sais quelle angoisse sans besoin de m'élever, sans pouvoir y atteindre, jusqu'à des idées et des formes inétreignables. Je crois bien que cette trop brusque et trop courte entrevision d'un monde, qu'il eût mieux valu que je ne connusse point, ne pouvant le connaître mieux, m'a été très funeste. Ah Quelles sont décevantes ces routes vers l'inconnu L'on va, l'on va, et c'est toujours la même chose. Voyez cet horizon poudroyant, là-bas. C'est bleu, c'est rose, c'est frais, c'est lumineux et léger comme un rêve. Il doit faire bon vivre, là-bas. Vous approchez, vous arrivez. Il n'y a rien. Du sable, des cailloux, des coteaux tristes comme des murs. Il n'y a rien d'autre. Et, au-dessus de ce sable, de ces cailloux, de ces coteaux, un ciel gris, opaque, pesant, un ciel où le jour se navre, où la lumière pleure de la suie. Il n'y a rien, rien de ce qu'on est venu chercher. D'ailleurs, ce que je cherche, je l'ignore, et j'ignore aussi qui je suis. Un domestique, ce n'est pas un être normal, un être social. C'est quelqu'un de disparate, fabriqué de pièces et de morceaux qui ne peuvent s'ajuster l'un dans l'autre, se juxtaposer l'un à l'autre. C'est quelque chose de pire, un monstrueux hybride humain. Il n'est plus du peuple, d'où il sort, il n'est pas, non plus, de la bourgeoisie où il vit et où il tend du peuple qu'il a renié, il a perdu le sang généreux et la force naïve. De la bourgeoisie, il a gagné les vies honteux, sans avoir pu acquérir les moyens de les satisfaire, et les sentiments vils, les lâches peurs, les criminels appétits, sans le décor, et par conséquent, sans l'excuse de la richesse. L'âme toute salie, il traverse cet honnête monde bourgeois et rien que d'avoir respiré l'odeur mortelle qui monte de ses putrides cloaques, il perd, à jamais, la sécurité de son esprit, et jusqu'à la forme même de son moi. Au fond de tous ses souvenirs, parmi ce peuple de figures où il est, fantôme de lui-même, il ne trouve à remuer que de l'ordure, c'est-à-dire de la souffrance. Il rit souvent, mais son rire est forcé. Ce rire ne vient pas de la joie rencontrée, de l'espoir réalisé, et il garde l'amère grimace de la révolte, le pli dur et crispé du sarcasme. Rien n'est plus douloureux et laid que ce rire, il brûle et dessèche. Mieux vaudrait, peut-être, que j'eusse pleuré. Et puis, je ne sais pas. Et puis, zut. Arrivera ce qui pourra. Mais il n'arrive rien, jamais rien. Et je ne puis m'habituer à cela. C'est cette monotonie, cette immobilité dans la vie qui me sont le plus pénibles à supporter. Je voudrais partir d'ici. Partir Mais où et comment Je ne sais pas et je reste. Madame est toujours la même, méfiante, méthodique dur, rapace, sans un élan, sans une fantaisie, sans une spontanéité, sans un rayon de joie sur sa face de marbre. Monsieur a repris ses habitudes, et je m'imagine, à de certains airs sournois, qu'il me garde rancune de mes rigueurs, mais ces rancunes ne sont pas dangereuses. Après le déjeuner, armé, guettré, il part pour la chasse, rentre à la nuit, ne me demande plus de l'aider à retirer ses bottes, et se couche à neuf heures. Il est toujours patot comique et vague. Il engraisse. Comment des gens si riches peuvent-ils se résigner à une aussi morne existence Il m'arrive, parfois, de m'interroger sur monsieur. Qu'est-ce que j'aurais fait de lui Il n'a pas d'argent et ne m'eût pas donné de plaisir. Et puisque madame n'est pas jalouse. Ce qui est terrible dans cette maison, c'est son silence. Je ne peux m'y faire. Pourtant, malgré moi, je m'habitue à glisser mes pas, à marcher en l'air, comme dit Joseph. Souvent, dans ces couloirs sombres, le long de ces murs froids, je me fais, à moi-même, l'effet d'un spectre, d'un revenant. J'étouffe, là-dedans. Et je reste. Ma seule distraction est d'aller, le dimanche, au sortir de la messe, chez Madame Gouin, l'épicière. Le dégoût m'en éloigne, mais l'ennui, plus fort, m'y ramène. Là, du moins, on se retrouve, tout ensemble. On potine, on rigole, on fait du bruit. En sirotant des petits verres de mélécassis. Il y a là, un peu, l'illusion de la vie. Et le temps passe. L'autre dimanche, je n'ai pas vu la petite, aux yeux suintants, au museau de rat. Je m'informe. Ce n'est rien, ce n'est rien, me dit l'épicière d'un ton qu'elle veut rendre mystérieux. Elle est donc malade Oui, mais ce n'est rien. Dans deux jours, il n'y paraîtra plus. Et Mlle Rose me regarde, avec des yeux qui confirment, et qui semblent dire. Ah Vous voyez bien. C'est une femme très adroite. Aujourd'hui, justement, j'ai appris, chez l'épicière, que des chasseurs avaient trouvé la veille, dans la forêt de Rayon, parmi des ronces et des feuilles mortes, le cadavre d'une petite fille, horriblement violée. Il paraît que c'est la fille d'un cantonnier. On l'appelait dans le pays, la petite Claire. Elle était un peu innocente, mais douce et gentille, et elle n'avait pas douze ans. Bonne aubaine, vous pensez, pour un endroit comme ici, où l'on est réduit à ressasser, chaque semaine, les mêmes histoires. Aussi, les langues marchent-elles D'après Rose, toujours mieux informée que les autres, la petite Claire avait son petit ventre ouvert d'un coup de couteau, et les intestins coulaient par la blessure. La nuque et la gorge gardaient, visibles, les marques de doigts étrangleurs. Ces parties, ces pauvres petites parties, n'étaient qu'une plaie affreusement tuméfiée, comme si elles eussent été forcées une comparaison de rose par le manche trop gros d'une cognée de bûcheron. On voyait encore, dans la bruyère courte, à un endroit piétiné et foulé, la place où le crime s'était accompli. Il devait remonter à huit jours, au moins, car le cadavre était presque entièrement décomposé. Malgré l'horreur sincère qu'inspire ce meurtre, je sens parfaitement que. Pour la plupart de ces créatures, le viol et les images obscènes qu'il évoque, en sont, pas tout à fait une excuse, mais certainement une atténuation, car le viol, c'est encore de l'amour. On raconte un tas de choses, on se rappelle que la petite Claire était toute la journée, dans la forêt. Au printemps, elle y cueillait des jonquilles, des muguets, des anémones, dont elle faisait, pour les dames de la ville, de gentils bouquets, elle y cherchait des morilles qu'elle venait vendre, au marché, le dimanche. L'été, c'était des champignons de toutes sortes et d'autres fleurs. Mais, à cette époque, qu'allait-elle faire dans la forêt où il n'y a plus rien à cueillir? L'une dit, judicieusement. Pourquoi que le père ne s'est pas inquiété de la disparition de la petite? C'est peut-être lui qui a fait le coup? À quoi, l'autre, non moins judicieusement, réplique. Mais s'il avait voulu faire le coup, il n'avait pas besoin d'emmener sa fille dans la forêt, voyons. Mademoiselle Rose intervient. Tout cela est bien louche, allez. Moi. Avec des airs entendus, des airs de quelqu'un qui connaît de terribles secrets, elle poursuit d'une voix plus basse, d'une voix de confidence dangereuse. Moi, je ne sais rien, je ne veux rien affirmer. Mais. Et comme elle laisse notre curiosité en suspens sur ce, mais. Quoi donc Quoi donc S'écrit Théon de toutes parts, le col tendu, la bouche ouverte. Mais. Je ne serais pas étonné, que ce fût. Nous sommes haletantes. Monsieur Lanlaire, là, si vous voulez mon idée, achève-t-elle, avec une expression de férocité atroce et basse. Plusieurs protestent, d'autres se réservent. J'affirme que Monsieur Lanlaire est incapable d'un tel crime et je m'écris. Lui, Seigneur Jésus? Ah. Le pauvre homme, il aurait bien trop peur. Mais Rose, avec plus de haine encore, insiste. Incapable. Ta Tatata et la petite Jésuro Et la petite Avalentin Et la petite Dougère Rappelez-vous donc. Incapable. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans leur haine contre monsieur, elles ne veulent pas aller, comme Rose, jusqu'à l'accusation formelle d'assassinat. Qu'ils violent les petites filles qui consentent à se laisser violer Mon Dieu Passe encore qu'il les tue, ça n'est guère croyable. Rageusement, Rose s'obstine. Elle écume, elle frappe sur la table de ses grosses mains molles, elle se démène, clamant. Puisque je vous dis que si, moi. Puisque j'en suis sûre, ah. Madame Gouin, restée songeuse, finit par déclarer de sa voix blanche. Ah, dame, mesdemoiselles, ces choses-là, on ne sait jamais. Pour la petite Jésuro, c'est une fameuse chance, je vous assure, qu'il ne l'ait pas tuée. Malgré l'autorité de l'épicière, malgré l'entêtement de Rose, qui n'admet pas qu'on déplace la question, elle passe, l'une après l'autre, la revue de tous les gens du pays qui auraient pu faire le coup. Il se trouve qu'il y en a d'état, tas, tout ceux -là détestent, tous ceux-là qu'elle déteste, tous ceux-là contre qui elles ont une jalousie, une rancune, un dépit. Enfin, la petite femme pâle au museau de Rat propose. Vous savez bien qu'il est venu, la semaine dernière, deux capucins qui n'avaient pas bon air, avec leur sale barbe, et qui mendiaient partout. Est-ce que ce ne serait pas eux On s'indigne. De braves et pieux moines. De saintes âmes du bon Dieu. C'est abominable. Et, tandis que nous nous en allons, ayant soupçonné tout le monde, Rose, acharnée, répète Puisque je vous le dis, moi. Puisque c'est lui. Avant de rentrer, je m'arrête un instant à la sellerie, où Joseph astique ses harnais. Au-dessus d'un dressoir, où sont symétriquement rangées des bouteilles de vernis et des boîtes de cirage, je vois flamboyer au lambris de sapin le portrait de Drummond. Pour lui donner plus de majesté, sans doute, Joseph l'a récemment orné d'une couronne de laurier sauce. En face, le portrait du pape disparaît, presque tièrement caché, sous une couverture de cheval pendue à un clou. Des brochures anti-juives, des chansons patriotiques s'empilent sur une planche, et dans un coin la matraque se navre parmi les balais. Brusquement, je dis à Joseph, sans un autre motif que la curiosité. Savez-vous, Joseph, qu'on a trouvé dans la forêt la petite Claire assassinée et violée Tout d'abord, Joseph ne peut réprimer un mouvement de surprise. Est-ce bien de la surprise Si rapide, si furtif qu'ait été ce mouvement, il me semble qu'au nom de la petite Claire, il a eu comme une étrange secousse, comme un frisson. Il se remet très vite. Oui, dit-il d'une voix ferme, je sais. On m'a conté ça, au pays, ce matin. Il est maintenant indifférent et placide. Il frotte ses harnais avec un gros torchon noir, méthodiquement. J'admire la musculature de ses bras nus, l'harmonieuse et puissante souplesse de ses biceps, la blancheur de sa peau. Je ne vois pas ses yeux sous les paupières rabaissées, ses yeux obstinément fixés sur son ouvrage. Mais je vois sa bouche, toute sa bouche large, son énorme mâchoire de bête cruelle et sensuelle. Et j'ai comme une étreinte légère au cœur. Je lui demande encore C'est-on qui a fait le coup Joseph hausse les épaules. Moitié railleur, moitié sérieux, il répond Quelques vagabonds, sans doute, quelques ou youpins. Puis, après un court silence Pute Vous verrez qu'on ne les pincera pas. Les magistrats, c'est tous des vendus. Il replace sur leur selle les harnais terminés, et désignant le portrait de Drummond, dans son apothéose de Laurier Sauce, il ajoute Si on avait celui-là Ah Malheur Je ne sais pourquoi, par exemple, je l'ai quitté, l'âme envahie par un singulier malaise. Enfin, avec cette histoire, on va donc avoir de quoi parler et se distraire un peu. Quelquefois, quand madame est sortie et que je m'ennuie trop, je vais à la grille sur le chemin où mademoiselle Rose vient me retrouver. Toujours en observation, rien ne lui échappe de ce qui se passe chez nous, de ce qui entre ou en sort. Elle est plus rouge, plus grasse, plus molle que jamais. Les lips de sa bouche pendent davantage, son corsage ne parvient plus à contenir les houles déferlantes de ses seins. Et de plus en plus elle est hantée d'idées obscènes Elle ne voit que ça, ne pense qu'à ça, ne vit que pour ça. Chaque fois que nous nous rencontrons, son premier regard est pour mon ventre, sa première parole pour me dire sur ce ton gras qu'elle a. repelez vous ce que je vous ai recommandé. Dès que vous vous apercevrez de ça, allez tout de suite chez Madame Gouin, tout de suite. C'est une véritable obsession, une manie. Un peu agacée, je réplique. Mais pourquoi voulez-vous que je m'aperçoive de ça Je ne connais personne ici. Ah Fait-elle c'est si vite arrivé, un malheur. Un moment d'oubli, bien naturel, et ça y est. Des fois, on ne sait pas comment ça s'arrive. J'en ai bien vu, allez, qui était comme vous, sûr de ne rien avoir, et puis ça y était tout de même. Mais avec Madame Gouin, on peut être tranquille. C'est une vraie bénédiction pour un pays qu'une femme aussi savante. Et elle s'anime, hideuse, toute sa grosse chair soulevée de basse volupté. Autrefois, ici, Ma chère petite, on ne rencontrait que des enfants. La ville était empoisonnée d'enfants. Une abomination. Ça grouillait dans les rues, comme des poules dans une cour de ferme, ça piaillait sur le pas des portes, ça faisait un tapage. On ne voyait que ça, quoi Eh bien, je ne sais si vous l'avez remarqué, aujourd'hui on n'en voit plus, il n'y en a presque plus. Avec un sourire plus gluant, elle poursuit. Ce n'est pas que les filles s'amusent moins. Ah Bon Dieu, non. Au contraire. Vous ne sortez jamais le soir, mais si vous alliez vous promener, à 9h, sous les marronniers, vous verriez ça. Partout, sur les bancs, il y a des couples, qui s'embrassent, se caressent. C'est bien gentil. Ah. Moi, vous savez, l'amour, je trouve ça si mignon. Je comprends qu'on ne puisse pas vivre sans l'amour. Oui, mais c'est embêtant aussi d'avoir à ces trousses des chiens d'enfants. Eh bien, elles n'en ont pas, elles n'en ont plus. Et c'est à Madame Gouin qu'elles doivent ça. Un petit moment désagréable à passer, ce n'est pas, après tout, la mère à boire. À votre place, je n'hésiterai pas. Une jolie fille comme vous, si distinguée, et qui doit être si bien faite, un enfant, ce serait un meurtre. Ressurez-vous. Je n'ai pas envie d'en avoir. Oui, oui, personne n'a envie d'en avoir. Seulement. Dites donc, votre monsieur ne vous a jamais proposé la chose Mais non. C'est étonnant, car il est connu pour ça. Même la matinée où il vous serrait de si près, dans le jardin. Je vous assure. Mlle Rose hoche la tête. Vous ne voulez rien dire, vous vous méfiez de moi, c'est votre affaire. Seulement, on sait ce qu'on sait. Elle m'impatiente. À la fin, je lui crie. Ah. Ça. Est-ce que vous vous imaginez que je couche avec tout le monde, avec des vieux dégoûtants D'un ton froid, elle me répond. Eh Ma petite, ne prenez pas la mouche. Il y a des vieux qui valent des jeunes. C'est vrai que vos affaires ne me regardent point. Ce que j'en dis, moi, n'est-ce pas Et elle conclut, d'une voix mauvaise, où le vinaigre a remplacé le miel. Après tout, ça se peut bien. Sans doute que votre monsieur Lenlair aime mieux les fruits plus verts. Chacun son idée, ma petite. Des paysans passent dans le chemin et saluent Mlle Rose avec respect. Bonjour, Mlle Rose. Et le capitaine, il va toujours bien Il va bien, merci. Il tire du vin, tenez. Des bourgeois passent dans le chemin et saluent Mlle Rose avec respect. Bonjour, mamselle Rose. Et le capitaine toujours vaillant. Merci. Vous êtes bien honnête. Le curé passe dans le chemin, d'un pas lent, de la tête. À la vue de Mamselle Rose, il salue, sourit, referme son bréviaire et s'arrête. Ah C'est vous, ma chère enfant Et le capitaine Merci, monsieur le curé, ça va tout doucement. Le capitaine s'occupe à la cave. Tant mieux, tant mieux. J'espère qu'il a semé de belles fleurs, et que, l'année prochaine, à la fête-dieu, nous aurons encore un superbe reposoir Bien sûr, monsieur le curé. Toutes mes amitiés au capitaine, mon enfant. Et vous de même, monsieur le curé. Et, en s'en allant, son bréviaire ouvert à nouveau. Au revoir, au revoir. Il ne faudrait dans une paroisse que des paroissiennes comme vous. Et je rentre, un peu triste, un peu découragé un peu haineuse, laissant cette abominable rose jouir de son triomphe, saluée par tous, respectée de tous, grasse, heureuse, hideusement heureuse. Bientôt, je suis sûre que le curé la mettra dans une niche de son église, entre deux cierges, et nimbée d'or, comme une sainte.